Je me rends compte que j'aurais dû parler de plein d'autres dessins animés. Genre, j'ai pas parlé de Ouais. Toy Story. Je m'appelle Mélanie de la chaîne La Manie du Cinéma, sur laquelle je parle de cinéma et aussi où je fais des making-of, d'événements un peu spéciaux, des interviews de gens pour qui parlent de cinéma et où je conseille des films et je fais également de la socio et de la philo du cinéma. Alors, mon premier souvenir de dessin animé, je l'ai pas forcément, mais j'imagine que c'était un Disney. On avait, je pense, la plus grosse collection de cassettes de Disney au monde. En vrai, on doit en avoir une vingtaine ou une trentaine, mais je l'ai passé tout le temps, donc j'imagine que mon premier, ça devait être sûrement Le Roi Lion, comme à peu près tout le monde. Donc j'ai pleuré très jeune, j'ai découvert ce que c'était que la mort très jeune. Super, merci beaucoup papa et maman de m'avoir montré ça, j'ai adoré. Mais en vrai, ça a été pendant très longtemps un de mes films préférés, normal. Le premier dessin animé qui m'a vraiment marqué, c'est donc encore un Disney, mais pas forcément un des plus connus, vu que ça fait partie un peu des petits trucs indépendants qu'ils ont fait à côté. Et c'est Le Noël de Mickey, qui est une adaptation en fait d'un roman de Dickens, A Christmas Carol, qui raconte donc l'histoire de Scrooge, un vieux monsieur un petit peu aigri qui est joué dedans par Picsou. Et le soir de Noël, qui rencontre trois fantômes, celui du Noël passé, du Noël présent et du Noël futur, et qui vont en fait l'aider à être un petit peu plus sympathique, parce qu'il est pas des masses. Et en fait, c'est un dessin animé qui m'a énormément touchée. L'histoire est belle, l'histoire est ultra émouvante, surtout en fait, elle a un message. Et rien que ça, en fait, dans un Disney, c'est vachement intéressant, même dans un dessin animé en général, quelque chose en fait qui te permet d'évoluer. Ou alors là, c'est très simple, il y a un seul cartoon qui m'a vraiment touchée, qui m'a marquée, que je regarde depuis que j'ai, je crois, 6 ans et que je regarde encore maintenant, c'est Pokémon. J'ai bouffé toutes les premières saisons qui passaient à la télé depuis que je suis gamine. Je les ai tous regardées mille et une fois. Je suis une immense fan. J'ai joué à tous les jeux, j'y joue encore. Je suis juste dingue de ce dessin animé qui est beaucoup trop mignon. Parce que t'as des petites créatures et ils se font des papouilles entre eux, parfois ils se battent, mais c'est jamais pour la mort, donc c'est plutôt cool en fait comme message. J'adore Shrek parce que c'est un personnage qui, ok, il paye pas de mine, on l'a pas gâté, mais franchement, il est drôle, il apprend tout le temps, il lui arrive des aventures de malade, il a le cœur sur la main. J'aime juste tout l'univers qu'il y a autour de lui. C'est un personnage qui est juste super agréable. Il est drôle. J'adore ce petit bonhomme vert. On va pas se mentir. Alors vous allez être vachement étonnés, mais j'ai encore parlé de Shrek, vu que mon personnage secondaire préféré, c'est l'âne. Voilà, parce que meilleur personnage aussi, qui est doublé aussi par Eddie Murphy dans la version originale. Est-ce qu'on a besoin d'en entendre plus? Que je trouve extrêmement drôle, tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il fait, c'est juste hilarant. Et je suis aussi une grande fan, bon là il y a des gens qui vont un peu bavasser, mais des mignons, de Moi Moche et Méchant. Pas dans le film Les Mignons, que j'ai pas forcément énormément aimé, qui est sympa mais sans plus, mais surtout en fait dans juste Moi Moche et Méchant 1, parce qu'ils sont juste géniaux, c'est les meilleurs sidekicks. DreamWorks, ils ont essayé d'en faire un truc plus marketing, et je trouve ça un peu dommage que vraiment tu prends Moi Moche et Méchant 1, ils sont absolument drôles. Ils sont excellents quand ils essayent. Moi, mon passage préféré, c'est quand ils essayent de faire la papuche, de ramener à la petite Edith, non pas Edith, à Agnès, quand ils essayent de ramener à Agnès une petite peluche de licorne, et qu'en fait ils le font avec des balais et tout, et c'est trop mignon, ils sont là genre papuche! Oui, j'aime trop chou, je l'aime trop. Hein? Papuche? Macarena, papuche. Non, 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 papuche. Ah, papuche. Ah ouais, le cartoon qui me manque, c'est La Famille Pirate. Je le regardais en rentrant de l'école, en fait, à chaque fois, à 16h30, comme tout le monde, quand il passait. Et je le trouvais tellement drôle, le générique est mythique, les personnages sont géniaux, j'aime tellement Scampi et Bigorneau. En fait, il arrivait toujours des trucs de malade. Et l'univers un peu pirate, c'était aussi l'époque où il y avait Pierre des Caraïbes qui était sorti,
Et en fait, j'aimais bien le parallèle un peu pirate, tout ça. L'humour était complètement décalé. Tu passais jamais un mauvais moment, en fait, en regardant La Famille Pirate, quoi. Alors, il y en a même plusieurs, parce qu'en fait, j'ai beau aimer toute la franchise DreamWorks, j'ai détesté vraiment ce qu'ils ont fait avec les petits épisodes, genre de Noël, d'Halloween, de la Saint-Valentin, de Pâques, j'en sais rien de ce qu'ils ont fait, mais je trouve ça juste nul. C'est pas drôle, c'est, pour le coup, c'est vraiment juste reprendre des personnages qui ont été mythiques dans des dessins animés, genre les pingouins à Madagascar, tout ça, et en faire en fait un truc, regardez, on est encore plus drôle avec des petites histoires. Non, non, je suis désolée, ce n'est pas drôle. Franchement, arrêtez. Les épisodes de Noël, je les zappe. Je rigole, je les regarde, mais je les aime pas. Mais je les aime pas. J'adore m'attirer les foudres des gens, parce qu'en fait, je suis pas du tout une fan de Ghibli. C'est dans tous les Ghibli que j'ai vus, et j'en ai vu quand même quelques-uns pour essayer et tout, il y en a deux qui me plaisent. Je n'aime pas du tout Mon Voisin Totoro. Vraiment, je trouve ça inutile. Mais après, parce que les Ghibli, j'ai commencé à les regarder très tard. J'ai commencé à les regarder il y a 4 ans, donc à 20 ans. C'est tard pour commencer Ghibli. Et j'aime pas. C'est très joli, mais ça me laisse complètement indifférente. Pareil, Le Voyage de Chihiro. Je veux bien que ça soit vraiment un chef-d'œuvre, mais j'aime pas. Vraiment, je trouve ça, surtout Voyage de Chihiro, je trouve ça ultra triste, je trouve ça ultra cruel. Moi, j'ai été élevée à Disney, donc en fait, le truc, c'est que pour moi, le dessin animé, ça ne peut pas avoir une autre gueule, en fait, que du Disney. C'est aussi parce que justement, quand j'étais petite, je devais avoir même pas 10 ans, 8 ou 9 ans, en fait, on m'a montré Le Voyage de Chihiro. Mais il ne faut pas montrer ça à un enfant, en fait. C'est surtout, en fait, je l'ai même pas vu en entier. C'est à partir du moment où il y a la scène avec les porcs. Bah non, en fait, je suis partie en pleurant, mais c'est terrifiant. Et bah c'est là où je me fais moi-même parjure, c'est que bah en vrai, le film que je trouve le plus beau, bah c'est un Miyazaki, c'est Le Château Ambulant. Qui est, je trouve, juste parfait. Là, voilà, je suis pas fan de Ghibli, mais par contre, Château Ambulant, il est juste tout le temps beau. Avant de voir le film, j'ai vu beaucoup de photomontages où, en fait, on voyait le château se déplacer, en fait, dans des villes du monde. Et en fait, juste ça, j'étais, mais c'est quoi ce film pour que ça soit aussi logique et beau, en fait? Parce que c'est ça, c'est quand tu le voyais, tu dis, mais c'est complètement logique, en fait, de voir ça, tellement c'est vrai, c'est émouvant. Et quand j'ai vu le film, je suis restée bête en me disant « Ah, bah en fait, Ghibli, c'est sympa. » Voilà. Fallait bien que ça arrive. Et bah pour la deuxième fois, encore Ghibli. Puisque là, c'était Princesse Mononoke. En fait, je m'attendais à rien, regardant. Mais vraiment à rien du tout. Puis voilà, je venais de voir Totoro. Je dis « Mais mon Dieu, désolée, c'est une purge. Waouh, chiant. » Et là, je commence à mettre Princesse Mononoke. Bah en fait, je crois que j'ai pas arrêté de pleurer. En fait, à partir de la moitié du film, j'ai fait que pleurer. Le fait que ça soit donc avec ces animaux ultra majestueux, le dieu de la forêt m'a émue. Mais comme jamais, j'ai été émue par un personnage qui n'est même pas un personnage, vu qu'il passe juste de temps en temps. Ce que j'admire dans Ghibli, c'est le côté très femme forte. Et si je le voyais pas forcément dans Le Voyage de Chihiro, pour le coup, dans Princesse Mononoke, je l'ai vu énormément. Je l'ai trouvé juste fantastique. Je me suis sentie vraiment très proche de ce personnage. Et ouais, j'ai vraiment fait que pleurer à peu près. C'est Coquin de Printemps, qui est un autre Disney qui est pas forcément très connu, qui est une adaptation en fait de l'histoire de Jack et le haricot magique, avec Donald, Mickey et Dingo. Et j'aime énormément ce film parce que, c'est en gros mon amour de Disney. Je le partage avec mon frère. C'est un truc qu'on a toujours partagé ensemble. On a regardé tous les dessins animés ensemble. On est extrêmement fans. Là, actuellement, mon frère est en train de faire une collection des films Disney en pellicule 16 mm. Donc c'est pour dire à quel point vraiment il y a une passion qui est présente. Et en fait, quand on était petits, on avait la cassette donc, de Coquin de Printemps. Ce qu'on aime en fait dans ce genre de film, c'est que c'est pas du vrai Disney. C'est des adaptations qui sont intéressantes, qui sont réfléchies,
Et Coquin de printemps, en fait, je le regardais tellement souvent. L'histoire est trop bien. Le fait qu'il y ait le trio aussi, je pense, de tête de Disney, ça touche énormément. Encore une fois, c'est un Disney qui est assez triste quand même à certains moments, parce qu'au début, il meurt de faim. C'est pas fou. Mais avec la belle harpe dorée, enfin, je sais pas, il y a un truc qui est magique plus que dans les Disney qu'on a l'habitude de voir, même si, voilà, les Aladdin, les Hercule, je les adore. Mais Coquin de printemps, il a quelque chose de particulier, en fait. Je pense que après le fait qu'il soit pas très connu, le fait qu'il me plaise un peu plus, parce qu'au moins je peux me la péter en me disant « Non mais t'as pas vu Coquin de printemps ? Non mais tu crains ?» Je vais étonner encore tout le monde. Mais l'épisode 1 de Pokémon, en fait, que ce soit dans les jeux, dans les séries, dans les films, ce que je préfère, c'est le début. Toujours. Mais vraiment, que ce soit, bah, par exemple, quand je regarde Harry Potter, mon préféré, c'est le 1. Quand je joue à un jeu, j'aime le début, en fait, quand ça commence. Et bah, pour les séries, c'est la même chose. Ce que je préfère, c'est vraiment les épisodes 1. Et vraiment, celui de Pokémon, je pourrais vous dire exactement tout ce qui se passe. Et vraiment, je pense que je l'ai vu une centaine de fois. De voir Sacha avec son petit pyjama jaune et vert, il commence à courir, il y a Régis qui commence à se foutre de sa gueule, puis après il voit Pikachu qui lui fait la gueule et qui l'électrocute, après il a les gants en caoutchouc et tout rose. Je sais pas, il y a un truc en fait dans cet épisode qui... Bah, en fait, je pense qu'il a mis vraiment un début à mon enfance et surtout à l'imagination que j'ai développée dans mon enfance. Chaque nuit, quand je me couchais, j'imaginais que j'étais dresseuse Pokémon. Bah, parce qu'en fait, il y a tellement un univers créatif en fait autour de Pokémon que ça a développé complètement mon imagination et ça m'a permis en fait de me croire dresseuse, d'apprendre confiance en moi, de me dire non, mais moi je pourrais battre tout le monde de toute façon. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment forgée. Ça fait peut-être un peu con de se dire je me suis forgée grâce à Pokémon, mais je pense que c'est vrai. Et avec eux, nous découvrirons les mystères et les secrets d'un monde extraordinaire, le monde des Pokémon. C'est le crapaud et le maître d'école, qui est encore une fois un Disney pas connu. J'adore les trucs underground, pas connu du tout. Et c'est en fait deux moyens-métrages qui sont mis dans un long métrage Disney, qui sont des adaptations de contes américains. Et donc il y a le crapaud, avec un personnage donc de type grenouille, qui est en fait un collectionneur de voitures, qui va pour acheter une voiture de course, mais en fait il se fait voler son château, et après il y a des courses-poursuites, et il finit en prison. Enfin, c'est un truc de malade, et c'est un vrai conte américain. Et la deuxième partie, c'est l'histoire du maître d'école, qui est en fait une adaptation du Cavalier sans tête. C'est comme le film de Tim Burton, mais en dessin animé. Et niveau flippance, on est là, parce que ce que j'adore, en fait, dans ce dessin animé, enfin, dans ces deux dessins animés, c'est que ça finit mal. C'est la première fois, vraiment, que Disney fait un truc qui finit mal. Et je trouve ça super intéressant. Et malheureusement, il est pas très connu, alors qu'il est vachement intéressant. Enfin, il est très profond, je pense qu'il est plus connu aux États-Unis qu'en France, c'est certain. Pourtant, si vous allez au parc Disneyland Paris, il y a un restaurant, en fait, Mr. Toad. Ils font un super fish and chips. C'est juste à côté, c'est entre Peter Pan et là où on peut faire dédicacer Paris Princesse. Et même, c'est l'un des petits tips, c'est l'un des seuls endroits où on a le droit de boire de l'alcool dans Disney. Je dis pas ça parce que je fais ça à chaque fois. Et le fish and chips, c'est pas dégueu. Donc, et c'est l'univers Mr. Toad. Et je trouve ça super intéressant comme concept en fait de Disney d'adapter des contes pas très connus. C'est pas les Blanche-Neige, c'est pas les Mille et une Nuits, c'est un truc un petit peu différent. Et je trouve ça ultra agréable en fait à regarder, même si bon, effectivement, bah t'as peur en fait tout du long de ces deux courts-métrages, mais ils sont chouettes, vraiment, ils sont très très chouettes. Puis il y a Ichabod Crane, et Ichabod Crane, c'est le maître d'école, et il est particulier comme personnage, et j'aime trop les musiques, vraiment, les musiques sont ouf. J'ai envie de pleurer en y pensant, parce que qu'est-ce qu'il est bien, mais celui qui a vraiment très mal vieilli, c'est Dragon 1, qui est
pourtant génial. Vraiment, DreamWorks, ils ont une superbe idée parce que l'histoire est exceptionnelle. Croque-mou, il est fantastique. Qui ne veut pas un croque-mou dans son salon? Mais je l'ai revu il y a quelques mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, c'est pas bien fait, c'est des bonhommes désarticulés. Alors que pour autant, quand on regarde le premier Shrek, ça passe, alors que premier Shrek, je crois que c'est 2001. Même non, c'est 99, c'est vraiment vieux. Et quand on voit Dragon 1, oh, je n'aime plus. C'est vraiment dommage parce que j'adore l'histoire, que Dragon 2 est très bien. On voit justement, je pense qu'il y a un écart de technique entre les deux qui est tellement monumental qu'en fait, quand on voit l'un, on se dit, mais c'est foutage de gueule, en fait. Vraiment. Pourtant, l'histoire est géniale. C'est super. Le personnage de Croque-Mou est ouf. Enfin, tout est bien. L'histoire est géniale. DreamWorks, ça fait un vrai chef-d'œuvre avec ça. Mais juste, vraiment mal vieilli. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Bah, mes coups de cœur, il y en a plein, et c'est des Pixar, c'est les petits courts-métrages Pixar en fait. Il y a Jour et Nuit, The Blue Umbrella, Presto, c'est plein de tout petits courts-métrages qui passaient habituellement en fait devant, enfin avant un Pixar au cinéma. À chaque fois, tu sais que pendant 5-10 minutes, tu vas être content en fait, ça va te faire sourire, ça finit toujours bien, c'est toujours mignon. Pixar sont des dieux sur terre. Je les aime énormément et vraiment je suis fan de tous ces petits courts-métrages que en fait je connais depuis longtemps, mais j'ai l'impression de me les refaire un peu tout le temps parce qu'on a besoin tous d'une petite dose de bonheur de temps en temps, et quand ça va pas, bah regarder un des courts-métrages Pixar en fait, bah ça fait du bien.